أمسلا يا ويلا غنا ساقي غار غار دايا تمسالت نيم حباسي مازال الفورة وتفيغنا راه توطفن دون ذو عدن كما الدين فخار ريم دوكا لي سير لي ثام دي ثوكا ميسنا نسقسا ما الصالح دابوز دانا ستان سنتورا إلا د الحرس فلا سولا غنتا على حساب الناس فغاني وكنا سنو الفون كيرا لي تفتارن إلا دي توكاد ولا غفتو دارتي ناس يتروحو يا البوسانا كينكورا غار غار دايا كون جاي وكنا دوانيم أمسلا يغدي لانيه أو ما الصالح دابوز. J'ai subi d'énormes pressions depuis au moins 2 semaines. Et effectivement, je porte plainte contre Nahar pour diffamation. Il y a eu un article 18 qui dit que je suis l'instigateur de ce qui se passe à Rdaya. Et ça c'est énorme. Et puis, c'est publié dans le même article que la police judiciaire de Rdaya est chargé par le procureur de la République près du tribunal de Rdaya pour m'auditionner concernant soi-disant une affaire d'introduction de PC à l'intérieur de la prison de Rdaya. J'aurais introduit, paraît-il, un PC à l'intérieur de la prison de Rdaya. Et donc, ce qui me choque dans toute cette histoire, c'est qu'il y a manipulation d'un journal à propagande d'un côté, puis complicité d'un service public, enfin d'une institution constitutionnelle, au moins d'une institution, je pense que c'est l'institution de la police, qui normalement n'a pas à communiquer à la presse s'il y a une convocation. Elle n'a qu'à l'adresser à l'adresse du concerné. Je rappelle pourquoi je lance le doigt vers les services de police, parce que il y a de ça 15 jours, j'ai reçu un appel d'un portable de quelqu'un qui s'est présenté comme officier de police pour me dire il faut passer au commissariat de police à Rdaya pour être entendu sans me préciser de quoi il s'agit. Je lui ai dit que si la police veut m'entendre, elle n'a qu'à m'envoyer une convocation du forme dans mon adresse que je lui ai rappelée. Donc, et je garde ce numéro, je l'ai encore, c'est un numéro de portable. Alors donc, c'est pour ça que je dis que il n'est pas convenable d'exercer des pressions sur un avocat. C'est le président de la Ligue. Dont l'objectif est sans aucun doute de le faire écarter, de l'écarter du dossier des détenus d'opinion, sous prétexte, je peux confirmer que c'est à partir du jour où j'ai dénoncé les atteintes aux droits de l'homme dans la prison de Mniha et de Rdaya. Dans la prison de Mniha, il y a des détenus qui sont malades, qui sont âgés, qui sont invalides, mais qui ne sont pas du tout pris en charge médicalement. On leur fait savoir qu'on ne peut prendre en charge dans la prison que les gens qui sont gravement malades. Les autres, ils ne reçoivent pas de soins, c'est juste des calmants qu'on leur donne. Et quant à la prison de Rdaya, il y a eu des agressions sexuelles contre les détenus, et quand on a dénoncé ça, c'est la guerre contre l'avocat qui a osé dénoncer. Et donc, il faut l'écarter. Sinon, pourquoi pas l'arrêter carrément. Et je vous avoue que j'ai même peur pour ma vie. Je n'ose même plus me déplacer vers Rdaya parce que je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver. Maintenant, il est clair, on m'a signifié que je suis indésirable, ce sont les services de police et ce journal à propagande qui est très très près des services de sécurité qui sont en train de le harceler. Et je vous avoue que j'ai vraiment peur, j'ai même peur pour moi physiquement, donc je n'ose même plus me déplacer à Rdaya. Et finalement, c'est en quelque sorte un peu réussi puisque
Est-ce que vous allez continuer à vous occuper du dossier? Est-ce que vous allez continuer à dénoncer ou finalement vous allez un peu vous occuper de vous-même et j'allais dire de votre dossier à vous? Non, 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 je n'abandonne pas le dossier. Il n'est pas question d'abandonner le dossier des détenus de Rdaya parce que c'est, ça serait immoral de ma part. D'autant plus que c'est une question de droit humain. Donc, si je m'abstiens de me déplacer pour cette période, ce n'est pas pour abandonner le dossier, mais c'est pour juste finaliser certaines démarches. Pour garantir plus de pour avoir plus de garanties quant à mes activités professionnelles et même mes activités en tant que président de la Ligue et militant des droits de l'homme. Il y a certaines démarches à faire au niveau national et au niveau international aussi pour bénéficier de certaines garanties pour que je puisse continuer ce que j'ai à faire dans la sérénité et dans le calme. Aujourd'hui, Mais il n'est pas question pour moi de laisser tomber ce dossier. même si aujourd'hui vous dites non seulement vous avez peur qu'il y ait un dossier fomenté contre vous, vous venez de dire que vous avez même peur pour votre vie. Écoutez, je n'ai pas du tout peur qu'il y ait un dossier contre moi parce que je sais que ce système, il fonctionne par des montages et des coups montés. C'est exactement la même démarche qui a conduit Frappe à l'intérieur de qui est déclenchée contre moi. Mais donc, je n'ai pas peur qu'il y ait des dossiers contre moi, mais j'ai peur pour mon intégrité physique. C'est de ça que j'ai peur. N'importe qui peut m'agresser à n'importe quel moment et assimiler ça à un accident de circulation, par exemple, ou à n'importe quoi. Il faut se mettre à la place. Quand vous avez des institutions d'État qui montre un acharnement contre l'avocat, il y a de quoi avoir peur. N'oubliez pas que nous avons un État qui n'a pas hésité à tuer son président. Qu'est-ce que c'est qu'un petit avocat des droits de l'homme dans une affaire de Rdaya? Donc, c'est de ça que j'ai peur. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur que qu'ils aillent jusqu'à porter atteinte à mon intégrité physique pour m'empêcher de faire mon travail convenablement. Mais s'ils veulent monter des dossiers, je fais partie de tous les citoyens algériens qui essayent de faire leur travail correctement et à qui on peut monter des dossiers comme on le fait contre des milliers d'Algériens. Très bien, juste une. Et Oui. je dois juste signaler quelque chose, une information, je viens juste de m'arriver, c'est par téléphone par un parent de l'un des détenus. Il m'informe que l'un des détenus, je pense qu'il s'agit de. Bon, j'ai oublié son nom, c'est l'un des détenus qui a la cinquantaine. Il a déclenché une grève de faim à partir d'hier pour contester, paraît-il, contre les conditions de détention inhumaines, mais aussi contre le fait que on en veut à leurs avocats et à leur tête moi-même. Donc ça se complique encore plus parce que les dossiers sont vraiment vides, mais les autorités ici en Algérie ne veulent pas que les détenus, leurs familles et leurs avocats fassent savoir cela à l'opinion nationale, mais surtout pas à l'opinion internationale. Donc, en fait, le combat, c'est ça, c'est de faire savoir à l'opinion internationale ce qui se passe. Et de l'autre côté, on essaie d'empêcher que. Remarquez que peut-être que j'ai aussi réussi un petit peu à communiquer au niveau international ce dossier que je suis en train de. كنت ولا مهي غامس لي إلى أبو ذمس صالح دبو زهين تاغ ذمستان كما الدين فخار ذي يمدوكاليس إيجلان هي غكث ولا مازالي ثن ذي الحفس ذي ثمات غردية أما